Bonjour et bienvenue sur Live La TV. Live La TV, la télé des porteurs de gamme, la chaîne afro-caribéenne. C'est Stazamburz, chapeau. Oh, excusez-moi, j'ai oublié le chapeau. C'est Stazamburz, chapeau, vissé sur la tête, à votre service, et vous êtes dans ce nouvel épisode de La Formule. La Formule est une émission d'analyse musicale au sein de laquelle la musique est étudiée dans un système scientifique dans lequel la physique, c'est le flow, la chimie pour l'instru, mathématiques pour le texte, et enfin, l'alchimie pour l'ensemble du morceau, pour voir s'il n'y a pas de grumeaux, si tout est homogène. Mais cette fois-ci, comme il s'agit d'un clip aussi, nous allons noter ce clip avec l'algèbre. Alors, la combinaison d'aujourd'hui, c'est la combinaison de deux artistes, guadeloupéens, Kenzi. Et Sadik. Au soir la cadence et vers le tout. Parce que c'est bien moi qui fait pour vous. Un sou, savez que vous faites pour moi qu'un. Un seul coup, on voit vivre la vinaigrette. Tout jeune tombé malade, c'est toi qui alcool qui remet. Alors, Kenzi et Sadik avaient déjà fait une combinaison auparavant. Justement, je trouve qu'elle ressemblait beaucoup, le clip ressemblait beaucoup à la formule en fait. Dans le côté physique, chimie, scientifique, tu vois. Et cette combinaison, je l'ai vue, j'ai dit, ah, je vais regarder de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est lourd ou pas. Allez, on va s'analyser ça tout de suite. C'est un mea culpa. Oh, excusez-moi de love vous, top, top. Avant souvent loin, souvent si la route. Répuisez tout crédit en moins goutte à goutte. Les mathématiques, je trouve que c'est vraiment un mea culpa de l'homme qui s'excuse auprès de sa bien-aimée de tout ce qu'il a pu faire, la délaisser. En maladroit, désolé si en blessé ou en délaissé ou con imbécile. La blesser, faire des choses. Enfin, c'est vraiment personnel, inclusif. On rentre dans la vie du couple, dans le clip, dans la manière d'écrire. Je trouve que c'est vraiment, vraiment plus personnel. Ça rentre vraiment dans l'intimité du couple. L'un t'es jaloux, l'avant pas t'es relou. Question finie, tabou, nous qu'a passé piston, qu'a collé, qui collé, qu'a fait l'amour en bas. De ce dont peut discuter un homme vis-à-vis de sa femme lorsqu'il fait son miracle ou pas. Conscience et puis mauvais pour Guadeloupe. Mais non, mais non. À chaque provocation, perso en t'es qu'à attendre chiche. Et les deux artistes, que ce soit au niveau des rimes qui sont assez riches, que ce soit au niveau des flows que je vais aborder tout à l'heure, c'est vraiment une alchimie, ça prend. Donc du coup, pour les mathématiques, c'est bien écrit, c'est même sous-titré. Vous pourrez voir, c'est sous-titré, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit. Faire souffrir, faire plaire, ça manier ou en faire mal. Parti pour moi, mais au final, on fait mal. Ni des mots piquants, ni de silence 43. Moi, mais un seul pas 46. Du coup, pour les mathématiques, je donne un 10. On va passer maintenant à la physique. Alors, les deux artistes ont une belle voix. Chaque fois on fait la peine, claquer pas par centaine. Excusez-moi de love ou trop, trop, au figuré même. Kenzi, en fait, va avoir les envolées du refrain, va avoir les couplets, les moments de l'intro. C'est magnifique. Il y a ces bacs, ces chœurs qui vont envelopper le morceau, qui vont envelopper l'instru, qui vont faire une envolée lorsqu'on va partir au niveau du refrain. Donc je trouve ça très pertinent. Au niveau de Sadik, il va poser un peu le tout, mais avec un texte bien ficelé. C'est vraiment un poète. On s'avance souvent loin, on souvent si la route. On répuisait tout crédit en moins goutte à goutte. C'est vraiment un poète, il va le dire vraiment bien. Le flow va être bien dégainé, va être bien glissé. Ça va bien passer. Et je trouve que du coup, je vais donner à la physique, au flow, un 10. Alors les deux artistes se confondent et ils ont vraiment une belle alchimie sur le morceau, c'est pourquoi je donne donc un 10. Au niveau maintenant de la chimie, l'instru est planant, sweet, inspire aussi la beauté, l'air, la good life, le soleil, il t'inspire tout cela. Je lui donne un 10 car il est tube déjà. À l'alchimie du morceau maintenant. Les deux artistes, comme j'ai pu le dire dans les différentes catégories précédentes, se fondent bien, c'est-à-dire qu'ils nous proposent quelque chose d'assez cohérent. Du début à la fin du morceau. Quand ça dit qu'on reprend le refrain à la fin, c'est magnifique. Excusez-moi de la foule, quop, quop, au figuré, mais mon quop, quop. C'est assez cohérent dans l'ensemble.
C'est pourquoi avec l'instru, ça rentre comme il faut, ça glisse. Pour les cafés, l'amour en bas. Fais-moi traverser Nevada. Mande au pardon, réapprendre le B à bas. Ça enveloppe l'instru. Limite, les bacs, ils font partie de l'instru. C'est pourquoi je vais donner un 10 à l'alchimie du morceau. Au clip, il ramène cette dernière dynamique planante, aérienne et en même temps terrestre du système qui a été établi dans ce son. C'est vraiment quelque chose de qui t'emporte, qui t'envole, qui te laisse écouter ou que tu peux glisser, je sais pas, tu vas être dans ta voiture, tu vas être chez toi, tu vas faire ton ménage, ça va passer au calme. Donc je trouve que le morceau, c'est un de mes morceaux du moment. Je vais dire que vraiment, je donne un 10 au clip, à l'alchimie, à la physique, tout ce qu'il faut, voilà, vous avez compris. Je donne un 10 à la combinaison Kenzie, Sadik, Love Vous Trop, un 10 global, un 10 général. Un grand bravo d'applaudissements car ce morceau, il mérite de tourner. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager, à le faire tourner, à partager aussi l'émission afin que peut-être s'ils puissent la voir. Ça pourrait leur servir aussi en communication, sait-on jamais. Et moi, je vous encourage à vous abonner, à cliquer sur la cloche bleue, à mettre un petit j'aime, car ça nous encourage à avancer, justement. Et du coup, je vous donne rendez-vous à très très vite, très très bientôt pour un nouvel épisode de La Formule. C'était Mr. Stays and Bears. Chapeau, vissé sur la tête. Mister. La chaîne afro-caraïbienne.